de sport et terminé de la saison, donc elle est en train de redémarrer. Il faut donc se préparer, le comité hiver de ce Balkan, pour une discussion de le troisième grand parcours dans les écrans, une certaine altitude pour apprendre ou réviser ses techniques. François Gué et Grégory. Connaître et manipuler le matériel, s'encorder correctement. Et puis tu fais sentir ces galops autour de ton cours en mettant un mouvement français dans ton talent. Progresser sur neige ou sur rocher en respectant les règles de sécurité, ou encore savoir se faire une chute. En montagne, la chute est fatale, donc il ne faut pas de chute. Malheureusement, ça peut arriver, et voilà pourquoi on fait les exercices. Des exercices grandeur nature proposés gratuitement ce week-end aux alpinistes aux randonneurs de santé d'altitude et soit débutants à confirmer. C'est que j'entends. Ah, on n'est pas concentré. Objectif, réviser les bases de l'alpinisme. Beaucoup de gens croient savoir et ils ne connaissent absolument pas le BABA, c'est-à-dire que les messages qu'on essaie de faire passer, c'est par exemple un pionnier, ça se plante, une corde, ça se plante. C'est vraiment le BABA, mais toutes les cordes sont en bas en refuge, les colons sortent, sont détendues et le pionnier est juste pondu. L'occasion également d'approfondir des notions plus techniques, comme l'installation d'un volet ou la sortie d'un coéquipier tombé dans une crevasse. Là, on l'a sorti. Je suis venue pour découvrir l'alpinisme. C'est quelque chose que je ne pratique pas encore, donc pour vraiment m'initier. Non, ben, je suis venue perfectionnement, en fait, parce que je connais un petit peu des manips, et puis le but c'est de venir en apprendre d'autres, et puis qu'on me corrige sur ce qui ne va pas. C'est la troisième année que le club Alpin des Lutteurs organise cette opération en partenariat avec le Parc national des Écrins et le bureau local de Tondon. Pour cette nouvelle édition, le grand parcours a fait le plein